Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Assassin's Creed 3, épisode 19. Alors apparemment, grâce à cet arbre, et simplement au pouvoir de la recharge... Oh, il y a des chèvres qui se battent, punaise, ils se sont donné la peine de faire ça, très bien. Simplement grâce à ça, parce que j'ai découvert le truc et que j'ai déchargé, rechargé, le fort... a été découvert, même si il est visiblement un peu trop loin, et il y a une jambe de bois et une plume qui sont apparues dans le coin, en plus de ce trésor. Donc on va faire ça, tout de suite, et pour ce qui est de la complétionnite, je vais sûrement rusher, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais sûrement rusher les missions comme ça, parce que ça c'est une quête à activer, les points d'observation, les collectibles qui sont déjà affichés sur la carte, mais je me réserve avec Etam, enfin je vais plutôt prendre dans le sens là, avec Etam quand j'ai fait la complétionnite de Boston, pour chercher les deux dernières pages d'almanach qui me manquaient, je m'étais amusé pendant que je les cherchais, à parcourir toute la carte de droite à gauche en faisant un quadrillage peut-être pas parfait mais aussi complet que possible pour qu'il n'y ait absolument aucune trace grise. Là, vous voyez, il y a des tâches où j'ai découvert une zone grâce à ce truc là mais j'ai pas mis les pieds ici et ça se voit, il y a des petits morceaux qui manquent. Pareil ici, il y a des petits bouts qui manquent. À Boston, il n'y a plus aucun bout qui manque sur la carte parce qu'avec Etam, je l'ai traversé en long en large. Et c'est grâce à ça que, une fois qu'on est passé à Connor, toutes les pages d'Almana, l'emplacement de toutes les pages d'Almana était déjà connu, parce que j'étais déjà passé partout, donc le jeu considérait que c'est bon, je savais où elles étaient. Là, pour les plumes qui vont être ici, et les jambes de bois, c'est pareil, il faut que je passe partout pour les découvrir, mais je vais pas le faire avec vous, je vais quadriller toute la map en off, pour que tout soit affiché. Et dans le prochain épisode, je referai le tour, mais cette fois-ci en ayant un circuit prévu pour tout ramasser. Mais là, dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser à faire le quadrillage, et je ne vais pas m'amuser à chercher plus avant des collectibles. Je vais me contenter de faire ce qui est affiché, et pour le prochain épisode, je m'arrangerai pour que toute la carte soit visible, et que les collectibles soient du coup renseignés. Peut-être qu'il y en a certains qui seront loupés, c'est possible, mais au moins une majeure partie sera là. Donc point d'observation, déblocage de quête et résolution de quête, en plus de ramasser ce qui traîne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors après, c'est pas exclu l'effort. Apparemment, en plus de celui-ci, il y en a 4 autres qui traînent. Alors je sais pas s'ils sont tous présents dans la frontière ou s'ils sont présents à New York aussi, vu qu'apparemment on pourra se rendre à New York. Le jeu considère que j'ai déjà découvert 3 forts, donc 3 forts sur 7. Donc il y en avait 2 à Boston, il y en a peut-être 2-3 ici, il y en a peut-être 2 à New York. Donc... on verra ce que ça donne, parce que c'est pas exclu que du coup, pendant que je fais pendant le quadrillage que je vais faire en off, c'est pas exclu que je découvre des forts, mais que du coup je les laisse de côté pour la prochaine fois. On verra comment ça se présente. D'abord la babiole, parce qu'elle est derrière. Ensuite, la plume, le fort et la mission pour recruter quelqu'un sur le domaine. Ouais, ouais, tout droit. Tout droit, tout droit. Oh, c'est un bâtiment qui se visite. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je l'entends, mais apparemment, elle est... Ah! Hop, hop.
Non, elle n'est pas ici. Non, je m'attendais à ce qu'elle soit ici, mais apparemment, elle n'est pas sur les poutres, elle est vraiment sur le toit. Alors, par là plutôt. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait le grand tour pour rien. L'entrée était ici. Voilà. Très bien. Ensuite, pardon monsieur. Ensuite, la plume. Et on va pouvoir de nouveau s'amuser à faire péter des trucs. J'ai moyen de grimper, oui. Tac, tac. Plus haut? Non, pas plus haut. Pas plus haut. Connor boude. Voilà, il y arrive. Oh, ouais. Ah, il y arrive. Ok. Je pensais pas qu'il arriverait à sauter assez haut. Tout va bien. Et maintenant, la castagne. Alors évidemment, l'endroit est peuplé. Beaucoup trop peuplé. Il a rien vu. Est-ce que j'aurais moyen de remonter? Oui. Par là, j'ai de quoi faire. Alors, peut-être pas ici. Peut-être pas par là non plus. Je suis sûr qu'il y a une entrée côté mer. Que je vais pouvoir accomplir des merveilles à partir de là. Ouais, sauf si les deux là cassent les pieds. C'est le type qui est à l'intérieur que je suis en train d'attirer. C'était pas ce que je voulais. Ouais, il vient, il vient, il vient. Vas-y, approche, approche, approche. Mais non! Mais il est pas sérieux! Je suis planqué! Très bien. Book. Et book. Bon. Bah écoute, c'est pas grave, je voulais pas démarrer les hostilités aussi ouvertement, mais tant pis, l'essentiel c'est que ça passe. Non, il m'ignore. Il m'ignore royalement. Non, malheureusement, là, ça va déclencher une hostilité ouverte aussi. Tant pis. Parade. Book. Parfait. Aïe, aïe, aïe. Non, mon gars. Et
Bon, la discrétion, on repassera, clairement. L'essentiel, c'est qu'on fasse tout péter. Donc de toute façon, même si c'est arrivé plus tôt que prévu, la discrétion, c'était pas prévu qu'on la conserve. Excellent. Et maintenant, il faut que je trouve le capitaine. Est-ce qu'il est au milieu de la troupe, là? Oui. J'ai moyen d'être planqué. Tac, tac. Bon, par contre, ouais, va falloir se taper absolument tout le monde, et ça, ça va être un bordel. Cette baston générale ne me plaît pas des masses. Tant pis, c'est pas grave, baston général. Fait. Aïe. Parade. Aïe. Ça c'était gratuit. Je ne le permettrai pas. Aïe. Parfait, merci. Non. Très bien. Double élimination. Voilà, le capitaine, c'est fini. Toi, t'es cuit. Parfait. 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 Apparemment, il y en a un qui est encore vivant. Bon, apparemment, il n'est pas vraiment vivant. Alors. Hop. Allez! Impeccable. Y avait du coup un trésor à fouiller. Et ce trésor est ici. Hop là! Par ici la thune. Je suis avec vous les gars, je suis de votre côté, paniquez pas. Il y avait un autre trésor, oui. Beaucoup plus loin par là. Il est si loin que ça? Ouais, il est si loin que ça. Punaise. Oui, non, ça c'est pour faire de la chasse, on s'en fout. Là, il est. Ouais. Il est là, mais il est en dessous, donc faut que je trouve la grotte. C'est obligé, il y a une grotte par...
Bien, 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 bien. Alors, je ne sais pas quels contrebandiers planquent leurs marchandises ici. Mais leur pognon est à moi. Et avant que je m'amuse à partir je ne sais où. Ouais, on va quand même faire le trajet à pied. Ça sert à rien de s'embêter à se TP. Je serai pas plus proche que ça de la mission qui m'intéresse. J'ai pas oublié que je cherche un raton laveur. Mais ouais, clairement la chasse, je suis pas dedans. Alors. Arrêtez ! Tina, qu'est-ce que tu mérites, rebelle ? Disparais, toi ! Ce ne sont pas tes affaires ! Tu auras été prévenu ! Bon bah c'est pas grave, hein. Tu l'auras cherché. Hop là. Bien. Olé. Tac. Aïe. Non. Parade. Aïe. Pas vrai ça. Double élimination pour la peine. Merci les gars. Aïe. Parade. Et c'est la gifle. Bon. Et c'est la gifle. Aïe. Et voilà. Impeccable. Que s'est-il passé ? Ils ont exigé qu'on donne toute notre récolte à la couronne. Warren a refusé. Ils ont tué nos bêtes, salé nos terres et nous ont fait sortir. La suite, vous la connaissez. J'ai peur de ne rien avoir à vous offrir pour votre aide, étranger. Nous n'avons plus rien. Vous pourriez peut-être faire quelque chose à la place. Avec joie. Je vis dans une petite communauté non loin d'ici. La terre est riche. Les habitants auraient tous besoin de légumes frais, de blé ou de maïs. Si vous bâtissez une autre ferme, vous prospérerez. Êtes-vous tombé du ciel ? On va aller voir ça. Merci. Bon, moi j'avais peur que le type soit dans un état grave, apparemment tout va bien. C'est juste une égratignure. Ouais, 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 ouais. Warren et Prudence peuvent désormais produire des marchandises. Impeccable. Alors, d'un côté j'ai ça, de l'autre il y a ce truc là qui sort de nulle part et qui m'intrigue. Geronimo. Les trucs qui m'intriguent, je les inspecte. Ouais, ouais, c'est par là. Hein. Ouh la vache. Ah, waouh, waouh. Très bien. Deuxième service. Voilà. Yama. Impeccable. Alors j'ai tabassé tellement de Britanniques. Maintenant ils sont très vexés en permanence.
Alors je vois le coffre, même si c'est... Et non, le jeu est quand même suffisamment bien fait pour que je ne puisse pas... comment dire, fouiller. Non, 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 pas par là. Ah, il passe à l'intérieur, ok. S'il passe à l'intérieur, ok, pas de problème. J'ai pas le droit de grimper sur le toit, là. Oh, cette déception. Moi qui me faisais une joie de plonger sur eux avec la double lame. Ah, j'ai le droit quand même. Merci. Bon, double assassinat. Non, pas de chance. Ils entendent courir sur le toit, mais ça ne les inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Mais ouais, si je pouvais éliminer les deux là tout de suite. Taya ! Non, un seul. Un seul à la fois. C'est pas grave. Pas de chance, il y avait un mur. Aïe. Esquive. Parade. Oh là 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 là, ils sont tellement vénères ces ennemis là. Book. Faut réussir à choper la bonne opportunité pour réussir à les vaincre. Et bah c'était une maigre récolte ce truc là, bonhomme. Maigre butin. Non, descends avant qu'il y en ait un qui vienne te chercher. Je vais par où ensuite? Moi j'ai envie de dire là, hein. Alors maintenant, j'ai accès au voyage rapide ici, ce qui est très cool. Mais je vais me contenter de bêtement... Alors par là, dans cette direction-là plutôt. Je vais me contenter de bêtement y aller à pied. Hein. Alors, c'est une biche, je crois, peut-être. Ou une... je sais pas comment on dit, une femelle élan. Mais vu de loin, elle avait l'air tellement grasse, je croyais que c'était une vache. Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Le moulin là, il se visite? Non. Dommage. C'est cool de le voir. J'aime bien les moulins. Avant qu'on passe à la machine à vapeur, c'était le top du top. Et en plus, c'était écologique. D'abord le nounours. D'abord le nounours et ensuite je m'occupe de ça. ouais, elle est là-haut. Elle est là-haut, on fera ça sur la descente si jamais il y a moyen de goupiller ça. Celui, il est plus loin. Il est plus loin et la plume est juste ici. Donc ouais. Elle est pas si haut que ça. Par contre, non, va falloir que je grimpe au sommet et que effectivement je redescende. Parce que je suis pas sur la bonne rive là. Hop. Hop. Bien. Parfait. Ah si, j'arrive à la gripper ici. Et j'arrive même à me poser. Très bien. Parfait. J'aurais pas eu besoin de monter jusqu'en haut finalement, mais j'avais peur que ce soit un piège. J'avais peur que ce soit un piège et qu'on puisse pas marcher sur ce machin-là comme on voulait.
Alors ouais, prudence au volant, prudence au volant. Ils ont tendance à être fâchés. Ah, flûte. Très bien. Garde-moi. Comme ça au moins, c'était le dernier, on s'en occupe plus. Et si ces messieurs acceptent de me foutre la paix... ...pouvoir poursuivre et débusquer Luini. Luini qui a apparemment décidé de ne plus se contenter du miel et de casser les pieds de tout le monde. J'ai loupé. C'était un poil trop tard. Voilà. Fou. Ça s'est bien passé. Trouver les traces de l'ours. Je l'ai pas tué à l'instant. Vous êtes sûr que c'est pas lui là? Esquive. Tac. Tac. Et tac. Oh là 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 là. Le deuxième. Le deuxième. Clac. Clac. Et clac. Voilà. Et le deuxième nounours. Voilà, ça c'est fait. Oui, mais ça c'est pour me dire qu'il y a un ours qui a bu ici récemment, sauf que je viens de les exterminer, ces nounours, donc... Je pense qu'on est bon. J'étais en dehors de la zone de recherche, donc ça m'a pas aidé à réduire. Là, c'est fait. Tac, tac. Bah alors, tu descends pas? Merci. Parfait. Malheureusement, je ne peux pas lui sauter dessus. Il a rien vu. Alors, je suis censé avoir un indice juste ici. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà, esquive. Tac. Tac. Et tac. Sauf qu'apparemment, c'était même pas le nounours là. C'est autre chose que je cherche. Attends, non. La grotte là. Ah oui, bon bah le nounours, je m'en suis occupé. Non, pas encore. Non, je me fous de ce type. Moi, je pensais qu'il y avait une analyse à faire. Bon, écoute, c'est pas perdu. Des bombes fumigènes. Ah. Le moyen d'attirer l'ours dehors. Ouais, sans doute. Ouais, si tu veux. Les bombes fumigènes. C'est ça que tu me suggères.
abattez l'ours. Je sais pas, est-ce que je viens de l'appâter avec de la viande fraîche? C'est peut-être ça. Ouais, ça te dit de venir? Je sais pas si je peux faire un assassinat sur lui. Non, tant pis. C'est pas grave, hein. Ça demande de faire des QTE, mais c'est encore ce qu'il y a de plus efficace et rapide pour réussir à le déglinguer. Voilà. Impeccable. Oui, la sortie c'est par là. Donc maintenant que ça c'est fait, il y avait une zone rouge là. C'est d'atteindre l'autre rive. Oh, j'ai pas le droit de grimper là. Non plus. Ah. Non, c'est pas encore exploitable. Mais on y arrive. Et donc, ça, c'est quoi au juste pour que je suis pas censé m'y rendre? Ouais, un endroit où ils ont planqué un coffre. Non, j'attire personne comme ça. Pas avoir les moyens de me rapprocher du coffre et de le fouiller sans que ça les énerve. Mais à la limite, si j'arrive à assassiner le type là que je suis en train de viser, hop là, ça en fait deux, ça en fait deux de plus. Ah. Hop là. Très bien. Aïe. Parfait. Non, parade, parade. Bien. Les enchaînements d'assassinats, ça aide quand même. Les séries d'assassinats, c'est très très puissant. Hop là. Parfait. Fer à cheval, bougie, des tas de choses. Et des tant d'autres. Insectifuge. Oh. Des beaux chapeaux. je me rends où, moi, après ça? J'aurais très envie de faire les points, là. J'ai pas encore fait de points d'observation. J'aurais les trucs là. Surtout la grosse question, c'est où est-ce que je peux me TP pour faire ça efficacement. J'ai envie de me TP ici, prendre la plume et ensuite partir prendre les deux points d'observation là, hein. Allez. Tant pis pour le défilement des recettes, quoique elle continue, elle s'arrête pas. J'ai débloqué des sauts. Voilà, on ne savait pas comment faire des sauts avant aujourd'hui. Pareil pour le fil de couture.
L'antivenin, ça c'est pratique, j'avoue. Ouais, on se contente de suivre la route jusqu'à la plume et ensuite on se barre dans une autre direction. Des briques, des clous et du pognon. Voilà. On va descendre comme ça. Je pense qu'on va faire les deux points d'observation et ensuite on va s'arrêter. L'épisode ayant déjà une bonne longueur. Par contre, ouais, on a fait beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. J'espérais qu'on puisse en faire bien plus. En trois quarts d'heure, et au final... oh, flûte. Ça, c'est ballot. Ça, c'est un truc qui est ballot, mais tant pis. Mais ouais, au final, on a fait quelques bricoles avec ce fort-là. On s'est baladé un petit peu. On n'a pas parcouru tant de chemin que ça, hein. J'ai un peu tourné ici, je suis allé là, on est parti là-haut, on est revenu ici, on s'est occupé de ça, et l'épisode est déjà fini. Je vais peut-être pas... Le quadrillage de la carte, je le ferai, hein. Je le ferai en off, mais je le ferai. Mais je le ferai peut-être pas pour le prochain épisode. Vu qu'on a encore des tas de choses à voir et à faire en dehors de s'occuper de... En dehors même de s'occuper de découvrir, d'afficher la carte, on a encore des tas de choses à faire, donc je vais attendre qu'on ait fait toutes ces choses-là avant de me préoccuper de ce quadrillage. C'est par là, oui? Ou pas? Voilà, il y arrive. Il fait ce qu'il peut, hein, mais d'une branche à l'autre, c'est, ça a l'air d'être compliqué. Voilà. Encore un coup. Voilà. Et si le prochain point d'observation... Et merde ! C'était sûr que ça allait arriver. Pour l'autre, je l'ai pas tenté, j'aurais pu. Pour celui-là... Oh, mais elle était à droite. Il y en avait une de meule. J'ai juste pas réussi à la viser. Mais en même temps, avec tout le feuillage, comment tu veux que je m'en sorte? Au moins ça, c'est un phare, c'est notre prochain point d'observation, je disais. Mais on va quand même parler à ces types, on va débloquer la mission tant qu'on est là. Mais oui, au moins avec le phare, j'aurai aucune difficulté à voir ce qu'il y a par terre et où se trouve la meule. Il se tient debout, comme un homme, mais tout son corps est recouvert d'une épaisse fourrure. Il a une démarche lente et chaloupée. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Il est malin, et reste à distance, ou se cache derrière des obstacles, comme s'il savait où j'allais. Des choses disparaissent là où il passe. Toutes sortes de babioles. Il a pris les bois d'un cerf dont un homme avait orné sa cabane. Il sort les prises des pièges, avec ses grandes mains. Il faudra que quelqu'un le trouve et ramène sa tête pour que tous puissent le voir. La tanière du Sasquatch. Et toi, tu montes juste la garde. T'as pas plus à me dire. Allez, le phare. Hop, hop.
Sérieux, j'ai pas moyen d'aller plus haut par cette fenêtre? Ah, par celle-ci, tu accepterais par contre. Voilà, elle est assez basse celle-là. Allez. Oula, oula, oula. Voilà, grimpe. Et voilà. Bien, 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 bien. Et là, vous voyez, j'ai aucun mal à savoir que je dois me rendre ici. Alors que pour l'autre, malheureusement, j'ai visé un petit peu trop à gauche. Et un petit peu trop court aussi, j'ai l'impression. Bon, 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 bon. Ah, il y a un trésor ici, écoute. On ne peut pas passer à côté d'un trésor. En plus, il est même pas gardé, il est comme ça, à ciel ouvert. Hop là. Voilà, maintenant on sait faire des bières. Du tonique. Et quoi d'autre? Cognac, whisky. Non, des ceintures, rien à voir. Des meubles. Bois d'élan monté, papier. Bottes. Collier, ça je sais pas ce que c'est. Ça me dit que je viens de débloquer les tonneaux, mais les tonneaux, je les connaissais déjà. Donc, à mon avis, il y a des choses qui se répètent. Mais ouais. Ouais. Tanière du Sasquatch, il va m'emmener là-haut. Il va m'emmener tout là-haut. Ouais. J'ai pas vraiment d'itinéraire clair pour le prochain épisode, mais on en trouvera un. Et on continuera ben, de faire toutes ces missions, enfin, tous ces points d'observation, toutes ces missions pour société de chasse Luther. Il faudra débloquer aussi les missions de messager. Et puis voilà, au bout d'un moment, on va finir par y arriver. Hein. Au bout d'un moment, plus rien de neuf n'apparaîtra ici. Il me reste juste à finir d'explorer les dernières zones d'ombre pour découvrir les plumes qui s'y trouvent. Ça va bien se passer. Allez, à ciao, bonsoir.